Salut. Salut mon bébé, ça va? Ton dernier son là, Bonobo, avec Chanel. Oh Seigneur, c'est moi. C'est quand le prochain son? C'est pour vous parler de mes t-shirts. De un, on ne dit pas t-shirt, on dit t-shirt. De deux, moi je t'ai demandé, c'est quand ton prochain son? Tu me parles de t-shirt, t-shirt. Tu es devenu prêt à porter? Répète après moi, t-shirt. T-shirt. Fantastique. Ok, vas-y. Au fait, c'est à combien? Alors, ce sont des t-shirts de très bonne qualité. Mais la prononciation de t-shirt n'est pas de bonne qualité. Continuons. Abou, j'ai demandé c'est à combien. Nambiwe, Nyatra, how much? Le prix. Je fais faire très très loin du Gabon. Pourquoi tu dis à chaque fois? Tu nous poses une question ou bien tu n'es pas sûr? J'ai dit c'est combien? Pour mon plaisir perso. Donc le t-shirt c'est juste pour ton plaisir, pas pour le plaisir des clients. C'est toi seul qui va porter ça quoi? Non, continue. Je suis une diva. J'aime les choses bien faites, parfaitement faites, d'accord? Ok, il n'y a pas de prix, c'est gratuit. Tu veux partager ça aux fans, quoi? On vend à 100 000 balles, voilà. Bon, il y a deux cas. Soit, balle dont tu parles là, c'est une nouvelle monnaie qu'on ne connaît pas et qu'on entend dans les films. Soit tu parles de franc CFA. En analysant le deuxième cas, attendez les gars. T-shirt à 100 000 francs, c'est quoi? C'est un T-ball ou bien c'est une armure? Si tu n'as pas l'argent pour payer ça, tu laisses. Ah bon? Donc c'est vraiment 100 000 francs quoi? Tu n'es pas le seul habitant du Gabon. Non, moi je vis à Dakar. J'ai fait venir un stock de combien de t-shirts? Au moins une quarantaine, c'est déjà fini. Tu as jeté ça ou bien on a volé ça? Donc si toi tu continues à dormir dans ta maison des Akebe Poto en te disant que tu ne peux pas innover. Si innover, c'est acheter t-shirt de 100 000, je préfère retourner à la préhistoire où ils sont tous torse nus. Et alors, pas du tout hein. Mais voilà, c'est juste moi. J'ai mis tout mon amour dedans et j'ai fait des bisous sur chaque t-shirt. Mon bisou coûte cher. Si ton bisou coûtait cher, tu serais déjà riche avec le nombre de bisous que tu as donné dans le clip Bonobo là. Chérie, pourquoi tu fais ça? Tu ne devais pas me négliger. Mais qu'est-ce qui t'a poussé? C'est quel sorcier du village qui fait une dictée avec ton nom et qui a écrit créole? Tu vas vendre tes t-shirts à 100 000 l'unité. Explique-moi. Mani Bella, c'est notre soeur camerounaise là à côté. La Mani Bella, elle a dit quoi? Bonjour 100 000. Bonsoir 100 000. Ça va, 100 000. Si vous voulez vous négliger, vous n'avez qu'à vous négliger. Ah ah, donc c'est Mani Bella, tu suis. Quelqu'un qui chante, saute, cale en l'air. C'est ça, tu suis. Mani Bella, là, on l'a connue dans son extrême. C'est pour ça qu'elle dit ça, là. On chante avec elle. Mais toi, on t'a connue dans ta gentillesse. Il faut rester gentil. Hein, ma créole, n'est-ce pas que tu es gentil? Donc si je dis bonjour, créole. 100 000. Créole, je veux le t-shirt. 100 000. Créole, je veux bisous. 100 000. Papa. Quand tu pars jouer les bonobos là-bas, moi, créole, je ne viens pas te servir d'arbitre. Je ne viens pas arbitrer le match. Donc, quand je vends mes t-shirts, vous applaudissez. Vous êtes content pour moi. Je suis content de moi. Et puis, tout le monde est content. D'accord? D'accord. Et la cerise sur le zizi, c'est qu'elle était vraiment sérieuse. Je reporte ma flipperie. Abonne-toi. Appelez plus petit cacabal. Il est pécho, carabalazos, yeah. Kirikou, il n'est plus petit.